voulez la même onction. Vous pleurez trop. Beaucoup. Vous pleurez beaucoup. Et vous aussi, vous faites les affaires, mais c'est bloqué. Rien. Vous vous efforcez, rien mais c'est coincé. Mais si vous croyez que cette soirée, c'est votre soirée. Vous croyez en ça? Beaucoup. Et si vous croyez au Dieu des miracles? Beaucoup. Vous croyez au Dieu des miracles? D'accord. Il y a quelque chose qui va se passer après que je vais prier pour vous, ce soir. Et vous saurez que le Dieu que nous servons en donc bon est vrai. Beaucoup de gens ont votre argent dehors. Quand je prie pour vous, on va vous remettre votre argent à partir de demain. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez en ça? Je crois. Oh, la dame, si, est-ce qu'elle croit? Oh, yes. Je crois, papa, je crois. Ah. C'est pour ça que je suis arrivé ici. C'est pour ça que vous êtes arrivé ici. Oui, papa. Le premier signe que Dieu va vous donner, j'ai vu une femme qu'on appelle Madeleine qui a votre argent. Et cette femme va vous appeler. Merci. Pour vous remettre votre argent. Amen. Elle va vous appeler avec un numéro orange qui est 699. Yes. 99. 91. Papa. Hein? Oui, papa. Elle a pris votre argent, ça fait longtemps. Puis, elle ne vous a pas. Ça fait combien de temps déjà environ? Ça dépasse 5 ans. Ça dépasse 5 ans. Est-ce que vous croyez que comme je prie? Oh. Yes. 5 ans, Madeleine a retenu son argent. Et non. Non, écoutez-moi, c'est une soirée de signes. Que chacun attache bien sa ceinture. Yes. Parce que ce soir, tu vas aller libérer ta famille. Yes. Vous savez, laissez-moi vous montrer une chose. Vous savez que l'histoire de Madeleine, c'est un signe que Dieu va vous donner. Pour Amen. Vous montrer qu'il est le grand Dieu. Amen. Qui va vous bénir. Parce que dans votre famille, vous avez beaucoup souffert. Amen. Vous avez trop souffert dans votre famille. Je vous ai vu trop souffrir. Beaucoup, papa. Beaucoup même. Regardez, et je vous ai vu, il y a de cela quelques temps en arrière, dans une réunion. Il y avait une réunion, une cotisation. Hein? Oui. Une réunion où il y avait des femmes. Et je vous ai vu faire des cotisations à cette époque. Oui, parce que vous n'êtes plus dans cette réunion. Oui, parce que votre argent restait là-bas. Oui, et il y a une femme qu'on appelait Sidonie. Oui. C'est Sidonie qui était la présidente de votre réunion. Oui. Et c'est elle qui tenait le cahier de compte. Oui, papa. Hein? Je n'ai pas eu d'argent, je suis sorti. Vous êtes sorti de la réunion. Parce que lorsque vous devriez, mais vous avez cotisé. Oui. Vous avez cotisé. Quand vous devriez prendre l'argent, on a donné l'argent à Brigitte, plutôt. Hein? Oui, c'est ça, papa, c'est ça. C'est ça, papa. Yes. Vraiment, il n'a remis. Yes. Vous êtes étonné. Pourquoi vous me regardez comme ça? Elle est dépassée, papa. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Amen! Dis Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Je te servirai tous les jours de ma vie. Je te servirai tous les jours de ma vie. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Yes, papa. Mm. Wow. Regardez. La femme, si je dis vrai devant Dieu. C'est vrai, si papa. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, je jette le micro, je ne prêche plus. Non, c'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Sidonie a retenu votre argent. Elle avait son mari qu'on appelait Basile. Merde. Et elle dit merde. Jésus. Elle est étonnée, la femme. Yes. Elle est dépassée, n'est-ce pas? D'accord, on a dit que c'est une soirée de guerre, n'est-ce pas? Vous avez eu des problèmes avec Sidonie. Basile est intervenu. Il a dit à sa femme, pourquoi tu retiens son argent? Comment elle a gagné? C'est son tour de prendre la cotisation. Tu prends l'argent, tu vas donner à Brigitte. Sidonie s'est fâchée contre son mari. Elle a dit à son mari devant vous, si tu veux l'épouser, épouse-la. Elle s'est fâchée, elle vous a laissé à deux. C'est ça? C'est ça, papa. Maintenant, écoutez. Madeleine va vous appeler. Mm. Elle vous remettra votre argent. Amen. Et quand elle vous remettra votre argent, vous saurez que votre saison est arrivée. Amen. Les hommes vous ont méprisé. On vous a rejeté. Beaucoup. On vous a humilié. On vous a utilisé. Beaucoup. Mais Dieu va vous utiliser. Amen. Pour fermer la bouche de ceux qui vous ont humilié. Amen. Amen. Zainna Helamid.